Précédemment, dans Lovegate. Veronica a quitté Johnson Johnson Jr. Stephen a décidé de renier son amour pour Brenda. Ivana a rencontré Angelica. Richardson mène une double liaison. Et Johnson Johnson Jr. a vécu de palpitantes aventures avec Barbara. Oh, say can you see Barbara Dancer in love? Richardson! Mais enfin, Lindsay, tu vois bien que je prends mon bain. Oui, mais c'est urgent. Bon, maintenant que je suis là, vas-y, je t'écoute. Et si on fêtait Noël le 25 décembre? Oh, Lindsay, ça c'est une bonne idée. C'est très américain, j'adore ça. En plus, ça tombe pile poil pour les vacances de Noël, c'est très pratique. Je savais que ça te plairait. Dis-moi. On pourrait peut-être songer à péter Thanksgiving en même temps. On ferait des économies. Brenda! Bas! Brenda! Bas! Bas, calmez-vous! Bas, calmez-vous! Vous êtes un homme intelligent, beau garçon, vous en retrouverez une autre femme. Elle avait les cheveux noirs, Brenda, ça vous allait pas du tout au teint. Regardez, c'est, ça vous va beaucoup mieux les rousses, par exemple. Ah bah Veronica, j'y avais pas pensé Veronica. Merci Veronica, merci beaucoup. Ah ouais. Oh say can't you see by the dancer's light. Richardson. Mais enfin Ivana, tu vois bien que je prends mon bain. Oui mais c'est urgent. Bon, maintenant que je suis là, je t'écoute. Et si cette année, on fêtait Noël le 25 décembre? Oh Ivana, ça c'est une bonne idée. C'est très américain, j'adore ça. En plus, ça tombe pile poil pendant les vacances de Noël, c'est très pratique. Je savais que ça te plairait. Dis-moi, on pourrait peut-être songer à fêter Thanksgiving en même temps. On ferait des économies. Heureusement que je vous ai auprès de moi, Barbara. Mais vous ne méritez pas, Monsieur Johnson, Julia. Vous êtes si bon. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Appelez-moi Johnson. Simplement Johnson. Oh, c'est can you see pass the dance early light. Angelica. Oui, tu veux que je prends mon bain? Bah, maintenant que je suis là, je t'écoute. Et si cette année, on fêtait Noël le 25 décembre? Non, c'est con ce que tu dis. Par contre, que dirais-tu de Brian, Jody et Kevin? Bah oui, pour nos enfants. Tu voulais bien des enfants, non?